Hello. Hey, salut, c'est Antoine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct de la Corée du Sud. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous présenter mon nouveau chez-moi, on va dire. J'ai quitté ma chambre d'étudiant avec mon colocataire chinois. Je l'ai laissé tout seul, le pauvre, il était en larmes. Donc j'ai pris maintenant un petit studio à moi tout seul, alors je vais faire la visite. On commence par la superbe porte d'entrée. Allume-toi s'il te plaît la lumière. Ouais, voilà. Lumière automatique, tout ce qu'il faut avec les chaussures. Donc c'est tout petit, ça va faire du 15 mètres carrés à peine. C'est tout simple, il y a le lit, le bureau, la télé avec les rediffs de StarCraft 2 pour les fans. Hein. Flug, celle-là, elle est pour toi. L'ordinateur, voilà. La machine à laver, l'évier. Une première armoire, un frigo, d'autres armoires, des armoires, des armoires, des armoires. Et ici, la salle de bain. La salle de bain qui va bien. À savoir, petite spécificité, en Corée du Sud, il n'y a pas vraiment de douche à part entière. Enfin, si, dans les nouveaux appartements un peu plus riches, il y en a. Mais dans la plupart des chambres, c'est juste un WC, un évier, un trou au sol et la douche ici. Et on se douche, en fait, dans la salle de bain, comme ça. C'est un gain de place, pas plus mal. Peu après, pour laver, c'est tout con, hein, tu fous de l'eau de partout et... On n'en parle plus. Donc voilà, alors à savoir que pour cette surface d'environ 15 mètres carrés, je paye 200 euros par mois, tout compris, eau illimitée, chauffage illimité, clim illimité, internet illimité, donc ça fait plutôt plaisir on va dire. Donc voilà, on se retrouve pour le reste de la vidéo. Ok, me revoilà en direct du toit de mon immeuble. Alors c'est plutôt sympa, hein. Bon c'est un petit immeuble hein, qui fait 4 étages. Et on a accès au toit comme ceci. On peut faire une super soirée, hein, je pense. Puis à côté, voilà, on a mon quartier avec des immeubles beaucoup plus grands, une grande pharmacie, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, je me suis mis ici pour répondre à deux questions auxquelles je ne pourrais pas forcément répondre avec un exemple vidéo. C'est concernant l'intégration des Français en Corée du Sud et s'il y a du racisme ou pas. Alors, je veux dire que j'en ai... Personnellement, je n'ai pas du tout ressenti de racisme. Je pense que le seul acte raciste que j'aurais pu subir, c'est le fait que dans mon université, eh ben, y a le wifi gratuit de partout, sauf dans le bâtiment des étrangers. Voilà, c'est un petit peu con, mais je pense que c'est le seul acte de racisme non voulu que j'ai pu subir. Après, le reste du temps, franchement, l'intégration se fait très très bien, je trouve. Après, peut-être que pour les Japonais ou les Chinois, ils ont peut-être un petit peu plus de mal auprès des personnes un peu plus anciennes. Surtout les Japonais, parce qu'apparemment donc, il y a eu un passé un petit peu de guerre entre le Japon et la Corée. Donc les vieilles personnes ont un peu plus de mal avec les Japonais, mais sinon les Français, tout va très bien. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Si vous voulez venir, pas de problème, hein, vous serez très bien accueillis. Ils adorent la France ici, il y a plein de restaurants Paris Baguette, tous les jours, tout ça, plein de trucs français, ils adorent ça. Donc les gars, n'hésitez pas, venez faire un tour en Corée. Ok, donc là dehors, eh ben écoutez, il fait nuit noire, je vais sortir, filmer un petit peu la ville de nuit, parce que, en effet, ça change quand même pas mal d'une ville française, d'une ville coréenne, vous allez pouvoir découvrir ça. Et je profite également de cette dernière petite séquence pour vous demander, ben, si vous avez des questions, ou quoi que ce soit par rapport à la Corée à me demander, mettez-le en commentaire de la vidéo, et j'essaierai d'y répondre, soit par MP, soit dans une prochaine vidéo qui, je l'espère, arrivera plus vite que celle-ci. Et également, pour ceux qui s'intéresseraient aux actualités, vous avez vu qu'il y a un typhon qui est passé en Corée du Sud, c'était donc hier par rapport au moment où je tourne la vidéo. Pour ma part, dans la ville où j'étais, il s'est strictement rien passé, à part 2-3 bourrasques ou quelques gouttes de pluie. Donc pour ceux qui voulaient que je filme le typhon avec les vents à 200 km/h, bah écoutez, je suis désolé, mais si vous voulez voir ça, allez sur YouTube ailleurs ou sur un site d'actualité, mais je pourrais pas vraiment répondre à la demande. Voilà, bah écoutez, merci et au revoir.